Ah non 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 non, je vais pas là-bas. Oui, non, je sais ce que c'est là. Ah bah ah, où je me gourde deux zones moi. Oui c'est pas. Oui c'est le raccourci en fait, je suis con. Bonjour. You still have your senses about you. Then why won't you buy some of my moss? I need your souls. Elle vend tes humanités, celle-là? Oh. 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 C'est ma meilleure amie. A wonderful place, don't you think? We have water, moss, moisture, these nice iron bars. I like it here, I really do. Nothing good ever happened to me in life, but now that I'm undead, I've never been happier. Dredge, what a humdrum lass you are. Voilà, raccourci ouvert. Il est mignon. Ouh, ça m'emmerde. Voilà. Maintenant on va gaspiller toutes nos âmes pour faire un level up parce que j'ai pas spécifiquement envie de donner 5000 âmes au démon Capra. Ah, Clopin est arrivé. Oh hello. I regret meeting you under such compromising circumstances. At least we both made it back unscathed. Oh hello. Terrific to see us both in one piece. And pray that you never go hollow. Non, t'inquiète pas, on va pas abandonner le jeu. Oh hello. Terrific to see us both in one piece. And pray that you never go hollow. Ok, il veut pas m'apprendre ses sorts. De toute façon, je m'en fous, je suis pas sorcier. Bon, préparer le matos, oui. Niveau supérieur, ok, oui. Ah! Ah, je peux faire qu'un level up. Okay. Mon portefeuille, je peux pas faire un autre level up? J'aimerais bien. J'aimerais beaucoup même. Tac. Oh, fais chier. Tom. Ah, merci pour le follow, alors qui c'est? Moi je mets en pause alors qu'il n'y a pas de pause, mais très bien. Donc merci à Lunar Sec, bienvenue parmi nous. Ah, désolé, l'écran est vraiment trop petit. Hop là. Hop là. Hop là. Là, c'est pas très Charlie, mec. Hein. Oh, il donne quoi lui? Une épée courte, ok. Un peu aux F, mais ok. Maintenant le level up pour aller faire le démon Capra. Comme ça, si on meurt, on va pas perdre grand chose.
Allez, viens, Billy. Ah, j'ai foiré mon empalement, tant pis. C'est pour toi. Oui, on sait, t'es mignon. Salut, copine. Prépare le bouclier pour se prendre une flèche. Ou pas. Ah, faudra aussi que je pense à aller me chercher un arc et des flèches avant de faire la forteresse de Seine. Ça peut être très utile. Non. Propre. Pas propre. Propre. Oula, pourquoi j'ai voulu mettre un coup de pied? C'est bon? C'est bon. La fois. Oh putain. Allez, on y croit. On y croit pas. On y croit pas. Ça va être compliqué à vie. Mais la violence du démon Capra. En fait, le problème du démon Capra, c'est ses deux chiens. Et en fait, c'est ça le problème de ce boss là, c'est qu'il se bat avec deux mobs. Si t'arrives à gérer les deux chiens, ça passe. Enfin, ça passe. Façon de parler, quoi. Hein. Ah mais c'est chien de l'enfer, bordel. Allez, on y croit, la foi. Oh!
Putain, c'est ces deux chiens qui m'emmerdent. Hein. T'es mignon. Ça va. Maintenant on peut se battre. Oh, si je fais de la merde. Ah, il fait que... Oh, il faut étudier ses patterns un peu là.
Voilà. Oh. Pas évident du tout ce boss. Ah, une fois qu'on a battu ces deux chiens, ça va, mais s'il a ces deux clébards, c'est un cancer ce truc. Donc là, on va vite aller redépenser nos âmes. Et puis, on va aller faire le dragon des abysses. Et comme ça, on ira faire sonner la dernière cloche. Et en plus, on va aller récupérer une braise qui est pas dégueulasse non plus. Comment ça se fait qu'ils soient revenus, eux? N'utilisez aucun feu. What the fuck? T'es mignon. Ouais, on lui dira ça quand on le voit, lui. Hein. C'est la tradition, c'est...
Merde, je l'ai loupé. Pardon. La foi. Ah ouais putain il y a... Ah il y a tes chiens. Oh putain. Allez viens. Voilà. Voilà. Saloperie. Bah. Y'a encore tes chiens. Oui, il y en a encore un bordel de merde. Oh putain. J'ai la trigger, hein, la bouchère là. Oh merde. Nice. Nice. Oh, attendez, je... Ah. Ah, je crois que quelqu'un avait mis un message parce que je voyais que le bot avait réagi. Bizarre. Alors. La braise. Ouais, mais avant d'aller là, on va d'abord aller chercher le copain. Allez viens saloperie. Pas envie. Voilà, t'as envie. Allez viens. Viens maintenant. Il y a un mort vivant là, ok. S'il n'y a pas d'autre chien, ça me va. Putain. Y'en a un. Évidemment, lui, il est encore très agile. La foi. Voilà. Voilà. Thank you. I would have been a supper without you. Been eaten alive, I shudder to think. Thank you. Thank you dearly. I am Laurentius, or the Great Swan. I will not forget my debt to you. C'est gentil. Oh, hello there. I'm fine, thanks to you. Oh, hello there. I'm fine, thanks to you. Bah c'est tout, tu me dis rien d'autre. Oh, hello there. I'm fine, thanks to you. C'est gentil.
Chérie, qui c'est qui a pété tout le mobilier? Voilà, c'est bien ici. L'eau. Les foirés, sérieusement? Voilà. Il se dit qu'un speedrunner n'a pas besoin de plus de dire une belle souris. Je veux l'animal poignet. Ouais putain. Ça c'était un beau rat ça. Ouais mais wesh, comme c'est, le but c'est pas de speedrun le jeu, hein, attention, hein, je tiens à rappeler, on n'est pas là pour faire du speedrun. Hein. Mais sinon je me ferais pas chier à faire le dragon abyssal là. Hein. Il est pas. Il est secondaire ce boss, hein, c'est même pas. Important de le faire en vrai. Oh shit, j'ai oublié ça. Bon, bon, on ira le chercher plus tard. Non mais je sais, mais j'explique juste au cas où, pour pas que les gens croient qu'il y a un let's play, parce que bon, que ce soit un speedrun, parce que non, non, c'est pas du tout le cas. Par contre, ici j'ai peur, parce que je me perds tout le temps dans cette map. Je me perds tout le temps. Ouais, il y a tes miasmes. Miasmes Covid, comme on les appelle dans le milieu. Putain. T'inquiète, on va faire le feu, t'inquiète. Est-ce qu'on peut monter un niveau? Ah, allez. Allez, il me manque rien. Allez, on va claquer le portefeuille. Voilà, on commence à être pas trop mal en vrai. Hein.
putain, je l'avais oublié lui. Avant de faire le dragon des abysses, il faut que je tue quelqu'un. Ouais, bah j'avais totalement oublié qu'il était dans le carton, ce con. Mais par contre, je me rappelle plus où ce qu'il est le... Ouais, c'est pas ici que je voulais venir. Ici, c'est le dragon, mais... D'abord, il faut que je tue le mec. Tu dis, il va le booster. Il faut que je le tue avant. Sinon, le dragon va être ingérable. On sait ici que c'est le dragon. Les slimes, je m'en bats les couilles. Toi, tu peux m'emmerder quand je te tue. Ah, il est là! Oh, oh oui! Hi, Shemai. And good day to you. I'm Donald of Xena. I'm just, well, a peddler of sorts. I adore trinkets and oddities, so I trade for them. Ah, ça c'est cool qu'il soit là, parce que je vous explique, ce perso là. En fait, j'explique, ce PNJ là, il peut prendre qu'à 3 zones différentes dans le jeu à chaque game en fait. Et celle là, c'est la plus proche quoi, c'est. Et lui c'est bien parce que lui il peut vendre tes résines de pain. I'm afraid I don't see anything here. Well, that is a shame. But no matter. No, not to worry. Come back again. I'm always available. Not every trade was meant to be. There'll be more in store for us someday, sometime. Cool. Donc il sera là tout le temps maintenant. Ça c'est cool. Oh, la partie la moins cool maintenant. Où se planque? Où se planque le prêtre Trollolol? Oh là là, putain, chasseur. Enfin, si toi tu le sais, n'hésite pas à me le dire, que là, vraiment, je sais plus où il est. Et Terra géant. Ouais, si je me rappelle bien, il n'est pas Terra géant, lui. Non.
Putain, je sais plus du tout où il est. Il se trouve là. Oh putain. Ça me revient. Ouais. Ah putain, fait chier. Je sais où il est. C'est pas du tout. Oh merde. On est descendu trop vite en fait, il fallait pas descendre là. En fait, ce qu'il fallait faire, c'était avant de descendre à de la glissade, explorer, et là il se trouvait dans une salle là-haut. Il est là-haut en fait, il est à l'étage. Oh merde. Oh merde. Ouais, moi non plus, je suis plus sûr à 100% de ce que je dis en plus là. Oh là 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 là. Oh le bordel. Ah non, ça va. Putain, c'est ici. C'est ici. Ah non, c'est pas ici. Ici, c'est pour le dragon. Ici, c'est. Si. Si, 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 c'est ici. C'est ici. Voilà. Il a même pas le temps de booster les rats. Oh. Ah oui. Ah oui. Ah nom de Dieu. Alors lui, il faut pas le suivre, c'est un piège à con. Ouais, clairement, surtout depuis ici, ça se sort. Et c'est bon, je l'ai trouvé, on l'a tué. Ça a même été plutôt facile par rapport à ce que j'imaginais. Ah, nom de Dieu. La foi. Bon, bah, on va aller tuer le dragon maintenant. Enfin, on va essayer. Donc, en fait, je l'explique. Le dragon, on va le combattre là en dessous. Les connards ici qu'on a tué là, là, il est où? Là, là, lui est là. Ce qu'il allait faire, c'est qu'il allait faire sa petite danse de l'amour là, et booster le dragon. Ça, non. Bah maintenant, on va aller au dragon.
Voilà. Oh, qu'il est mignon! Ouais, pardon, il n'y a qu'à sa tête qui est mignonne, hein! Nom de Dieu! Ah pardon, le dragon béant, j'ai oublié son nom. D'accord. J'ai envie de faire ton attaque chargée, que je te coupe la queue. Attention, on lui coupe la queue, ça va, ça règle facile, hein. D'accord, je dirai plus de mal de toi, s'il te plaît, mais... Et ta charge. Ok. Merci. Clairement là Et le pire hein, c'est la première fois depuis que je joue au jeu qui me tue hein. Mais là il avait pas envie de faire sa charge hein. D'habitude il me fait pas autant de problèmes. C'est la première fois qu'il arrive à me tuer. Ah, par contre, tu étais poisson. Merci. Mais ouais, il était pas... Il était pas très coopératif, là, le dragon des abysses. Putain, mais pourquoi je dis c'est le dragon payant, pas tes abysses, faut que j'arrête.
Il la fait pas si je suis pas devant. Oh. Ah, oh, salopard. Sérieusement? Devant. Voilà. Oh oui. Oh oui, là il est gentil par contre. Là il est très gentil. Faudrait que j'arrive à lui couper la queue, il serait beaucoup moins dangereux sans. Ah oui! Oh oui! J'arrive pas à la couper. Oh oui. Oh oui. Oh oui.
Putain, elle peut pas tomber, hein. Mais ça serait tellement plus simple si sa queue tombait, mais j'arrive pas à la couper. C'est abusé. Rester devant par contre. Putain! Mais c'est pas vrai! Oh, fait chier! J'étais trop près. J'étais trop près. Oh, fait chier! Oh là 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 là, la fait chier. Mais je comprends pas pourquoi j'aurais pas voulu couper la queue.
ça va, on va réussir à le gérer à un moment. Hein. De merde. Cool. Oh le pilier quoi. J'en reviens pas. Oh non, il va vomir. Ah bah on a esquivé le vomi. Oh oui. On est safe, on respire. Sa queue, mais tant pis, hein.
merci. Wouah. Mais il est insane hein, ce boss. Bon bah c'est cool, on a 28 000 âmes à gaspiller pour réparer le stuff et faire du level up. Je vais pas dire non. Oh non de Dieu ce qu'il nous aura mis quoi. Un peu abîmé le matos, c'est pas grave. Ah, c'est pas trop mal, hein. Pas trop mal. Bon par contre les amis, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. On a fait déjà pas mal d'avancées parce que là le prochain objectif donc c'est la deuxième cloche de l'éveil. Gardiez pas notre cher ami l'araignée, bordel de merde. Et après, on va affronter mon cauchemar, la forteresse de sel. Enfin de Seine, pardon. Oh putain, je suis tellement pas impatient, je déteste cette forteresse. Avec ces pièges à la con, ces hommes serpents dégueulasses et son putain de golem de fer là. Oh. Mais bon, pas le choix si on veut obtenir notre stuff. On a deux armures à récupérer à Orlando ainsi qu'une épée. Ah si quand même hein, parce que on a plus que. Bah que on a le passe-partout, hein, je rappelle. On va pas dans le hameau du crépuscule, hein. Ça, c'est... Non, ça, vous m'oubliez, hein. Je ne vais pas dans les marais. Il n'y a pas de boss, à part, justement, celle de la cloche. Mais on n'a pas besoin... On peut utiliser le passe-partout, hein. Donc, non. On va pas dans le hameau du crépuscule. Donc, non. Honnêtement, on n'a pas un si gros chemin à faire pour aller la voir, hein. Vraiment pas, hein. Donc, voilà. Mais bon. Ouais, excusez-moi, j'étais en train de réfléchir parce que, ouais, non. Parce que, en gros, on va retourner à Lichefeu. De Lichefeu, on va peut-être aller faire le troisième chevalier noir, vite fait bien fait, comme ça ça fait un peu d'âme et on a peut-être chose de looter le bouclier. Ensuite, on retourne à Lichefeu. De Lichefeu, on va à la fin du marais où on va retrouver le boss avec la cloche de l'éveil. On fait sonner la cloche. On va sans doute aller voir la sœur de Machinette. Ensuite de quoi, de là, on ira, voilà, après c'est la forteresse de Seine directe, hein.
C'était direct la forteresse de Seine après. Hein.